Iglesias. Bonsoir. Bonsoir. C'est incroyable. Tu sens comme elle tremble. C'est horrible. Non, mais tu sens cette émotion, c'est formidable. Quand tu sens quelqu'un qui... Tu t'approches et tu... Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Je pense que c'est formidable, ça. C'est un peu les craques de l'amour. C'est pas pour moi, bien sûr, c'est pour la musique. Mais quand tu sens quelqu'un qui tremble comme ça avec la musique... Oh là là... C'est fort, hein, c'est une grosse émotion. Très bien, c'est ça. Terrible. Je pense que c'est formidable, ça. Julio, c'est une chanson que vous aviez déjà chantée avec l'auteur, avec Sting. Oui. C'était à quelle occasion? J'étais à Los Angeles, j'enregistrais la chanson parce que je l'adore. Et tout d'un coup, Sting est arrivé, comme Elena. Il a pris la guitare, il a commencé à jouer, mais comme ça, hein. Il a commencé à chanter avec moi, hein. J'ai dit merci. Je l'ai appelé, on a fait une vidéo ensemble, c'était formidable parce que j'adore Sting, c'est un génie. Et maintenant, je suis content de trouver une jeune fille comme ça, belle, qui chante « On and on, the rain will fall, the tears from the star, the tears from the star. On and on, the rain will say how fragile we are, how fragile we are. » Alors, Elena. Oui, Alexandra. Mannequin. Oui. Comédienne. Oui. Animatrice. Oui. Télévision. Oui. Chanteuse. Oui. Ça fait ça pas mal. Ça s'appelle Saltimbanque. C'est pas mal, j'aime assez Saltimbanque. Alors, en ce moment, il y a une actualité pour Elena, c'est Olano. Oui. Raconte-nous Olano. Alors, Olano, ce sont deux garçons. C'est Marc et Xavier. C'est un peu comme... c'est le même principe que Massive Attack. C'est plus facile pour expliquer, de donner des références. Donc, ils font leur musique. Et puis, ils cherchent les chanteuses qui vont au morceau. Et donc, moi, j'ai atterri comme ça, sur deux morceaux. Ils cherchaient une voix comme ça. Alors, à la Claudine Longet, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est la jeune fille qui chante dans The Party. Une Française, voilà, qui était à Hollywood. Et donc, ils cherchaient une petite voix comme ça, toute fluette. Et je suis arrivée là par hasard. Et ça a donné ça, dont est extrait une des chansons. Chanter, c'est ce que tu préfères faire? Oui, disons que c'est mon dada. Et comme ça ne me rapporte pas, je mange autrement. Et comme je ne sais pas faire grand-chose à part saltimbanquer... Oh, tu es modeste. Non, mais je peux pas, je sais pas faire d'autre chose. Donc je cherche dans la saltimbanquerie quelque chose que je puisse faire, qui me fasse manger quand même. Un jour, peut-être, la musique me rapportera de quoi... Ça, c'est ton rêve. Me nourrir, oui. Vivre de la chanson. Oui, je continue. Comme disent les Arabes, il ne faut pas baisser les bras. Tu risquerais de les baisser 2 minutes avant le miracle. Le alors coup, je tiens bon. Il faut qu'elle marche beaucoup. Julio, est-ce que vous avez comme ça des rêves, des choses que vous n'avez pas encore réalisées dans votre carrière? Des souhaits, je ne sais pas, de production? Ou tiens, Julio acteur, par exemple. Ah, je suis le plus mauvais acteur dans l'histoire, moi. Je ne peux pas dire rien, non. Je rêve de renouveler toutes les couleurs. Je rêve d'RTC, par exemple. Pour moi, c'était un rêve, non. Taratata, c'était... On ne m'invitait jamais à Taratata, moi. Et c'est... Mais vous êtes là, mais on est très contents mais que vous pensez soyez que... là. Non. Je demandais à ma compagnie des disques, mais Taratata, quand ce que... Ça que le... Les réalisateurs, toi, vous allez m'inviter à Taratata. Non, mais tu chantes pas assez pour Taratata. Mais je chante depuis la guerre. Non, mais c'est pas assez, il faut chanter plus. Exagéré. Non, maintenant que je suis ici, je suis ravi. D'abord parce que je retrouve, comme je te disais avant, des jeunes qui chantent. Toi, les réalisateurs, tout le monde qui court. C'est Taratata, tout le monde court ici. Pendant 3-4 heures, tac, tac, tac. Et je suis à l'aise maintenant. Alors, ce problème que j'ai, c'est que je ne parle pas assez bien français. Non. Modeste, hein. Non, non, je ne sais pas que j'ai oublié, mais il faut revenir. Ce que je fais à partir de l'année prochaine, je refais les valises
Et vous revenez. Et je reviens dans mon pays méditerranéen parce que déjà, j'ai fait tout dans ma vie. Il faut que je commence à parler un peu plus lent, à parler français, à parler italien, surtout à parler ma langue espagnole. Et vous revenez ici aussi. Je viendrai à faire les duets avec toi à Taratata. Oh, avec plaisir. C'est que c'est drôle, c'est qu'ici, que c'est Taratata, vous n'avez jamais entendu Taratata et Tata. Taratata et Tata. Jamais ça. Non, c'est... Vous allez écrire cette chanson et vous revenez et on la chante en duo. Et on fait un duet ensemble, ça. Très bien. Ça a marché. Elena, merci. Merci, merci Elena. Vous on vous souhaite bonne route. Merci. Est-ce que vous vous souvenez d'une chanson « Je veux du soleil » ? Eh bien, c'était au Petit Bonheur. Et au Petit Bonheur est là ce soir. Qu'est-ce qu'il me fait ? Qu'est-ce qu'il fait dans mon dos, Julio ? Au Petit Bonheur, Foudel,